Alexandre Bonnet et Walid Mesloub, auteur de 4 buts et de 6 passes décisives la saison passée, le numéro 22, Lyon. Il est arrivé cette année de Soudan, auteur de 7 buts la saison passée. Accueillons ce nouveau venu pour le HAC, le numéro 21, Mickaël Lagnon. Il y a encore je rêve de sortir avec un joueur, excuse-moi, mais c'est pas toi, mais je veux sortir avec un joueur. Et il est là. Il est là. Oui, meilleur buteur de la chasse à la qui va permettre à Saint-Germain de découvrir la préparation de haut niveau en intégrant la pré-saison des pros. Merci d'applaudir Victor Lécal. Alors, vous allez poser une petite question à notre ami Christophe, et ensuite à Eric. Christophe, d'abord, c'est toujours un plaisir de te retrouver, et le plaisir est partagé. Christophe, tu peux nous dire un petit mot sur cette préparation de saison? Bah écoutez, on va l'attaquer la saison. J'entends sa voix, ça me fait bizarre. Je peux travailler pour justement
recomposer un effectif de joueurs avec quelques retouches. Et puis, bien sûr, comme vous l'avez pu voir aussi, du staff technique qui va entourer Eric. Donc voilà, la saison démarre aujourd'hui. On était pressés de se retrouver. En tout cas, moi, je suis pressé de retrouver les gars. Peut-être qu'il y aura une vraie vacances en vacances. Je suis contre. Un peu de vacances pour vous, là, les gars. Très content de découvrir le nouveau maillot. Maintenant, il joue. Et il ne perd pas avec le nouveau maillot. En tout cas, le nouveau début de saison. Donc maintenant, tout ça, c'est beau. Maintenant, il y a à gagner. On va faire au mieux. Et pour tout vous dire, il y aura encore un nouveau joueur qui va nous rejoindre dans une semaine. Et puis après, on partira en stage de Rangers, championnat. Voilà, donc il y a beaucoup de travail encore en préparation. Avec la prolongation d'Alexandre, de Maxime et de Benjamin, le transfert définitif de Zarbo, deux nouveaux visages intègrent le groupe. Est-ce que tu peux nous les présenter? Trois nouveaux visages, puisqu'il y en a un, mais. Vous connaissez pas non, ça fera quatre avec quatre. D'accord. Alors présente-nous les trois nouveaux qui sont là. Michel Le Guillon, qui nous arrive de Sedan. Ensuite, Sébastien Clochon, qui arrive de la formation du Lyon. Et Alain Macron, le plus beau. Le dernier arrivé. Le plus beau. Ce matin, au 10 mois de quart, on a pour conclure avec l'AS Monaco, c'est Florian Pinto. Voilà, le plus beau. Et puis, pour ce moment, c'est pour ça qu'on l'a pris. Ça veut dire qu'il n'avait pas égalisé, on ne pas. Je voudrais aussi rendre hommage à. Déjà dit, un grand hommage à tout ce qui a été fait la saison dernière, tout le staff qui était présent l'année dernière. Il y a eu des moments difficiles, notamment un début de saison. Et je pense qu'après, tout le monde a su relever les gants. Voilà, aujourd'hui, des gens sont partis. Mais moi, je pense qu'il y en a un grand hommage parce que finalement, c'est une bonne fin de saison, bien sûr. Il y a eu la porte d'Eric dans un premier temps. Mais tout le monde s'est rassemblé autour d'un projet pour essayer de faire la meilleure fin de saison possible. Donc, je ne l'oublie pas aujourd'hui, ce jour de rugby. Et je voudrais aussi. Parce que c'est un garçon chez nous. On est tous une petite pensée aussi pour notre pote des nanas. C'est un étudiant qui est en coma à Rouen. Merci à vous. Voilà, ça va être bon. On sent dans toute l'humanité qu'on peut avoir un joueur peut-être qui sauve et on comprend d'autant plus la raison pour laquelle nous l'aimons beaucoup. Je vais maintenant m'adresser à Eric. Eric, une journée de reprise, c'est le début d'une longue, et tout le monde l'espère, une belle aventure. Ah oui, bien sûr. Voilà, alors là, il y a On fait la parfaite, à la possession du ballon, à la volonté d'appliquer des enchaînements, de qualité. Et pour cela, il nous faut forcément nous entraîner de façon particulière. C'est ce qu'on fait, donc s'appliquer à faire du jeu, de profiter de tous ces fondamentaux qui font que j'espère qu'on va ressortir le rage comme une identité de jeu.